saluer. Quel moment extraordinaire dans la louange. Ceux qui nous regardent aussi sur YouTube, sur les réseaux sociaux, soyez les bienvenus. On est tellement heureux de pouvoir partager la parole de Dieu ce soir avec vous et de voir ce Dieu extraordinaire qui fait des miracles encore aujourd'hui. Le thème de mon message ce soir, c'est « Vaillant héros et vaillante héroïne, tu peux le faire ». J'ai pris ce texte de Gédéon, l'histoire de Gédéon. J'aime tellement cette histoire parce que je vais parcourir un peu, je ne vais pas lire tous les versets, mais je vais parcourir l'appel de Gédéon ensemble et on va voir les similitudes avec ce qu'on peut vivre aujourd'hui. On va mettre certaines choses en application, on va prier pour ces situations où c'est bloqué et le Dieu de miracles est avec nous. J'ai tellement aimé ce dernier chant, extraordinaire, un chant où l'onction de Dieu descend. L'appel de Gédéon, c'était de délivrer le peuple de l'oppresseur. Est-ce qu'on connaît un peuple aujourd'hui qui est sous l'oppression? Tout en circulant aujourd'hui avec ma belle-sœur, en descendant chez vous, on parlait un tout petit peu de ce qu'est l'oppression aujourd'hui. C'est vrai qu'il y en a beaucoup. Et c'est pour ça que c'est tellement bon d'avoir des moments comme on a eu ce soir dans la louange, où on peut dégager de ces oppressions qui viennent sur le monde, des oppressions de toutes sortes, des mauvaises nouvelles, des situations difficiles, des couples qui se brisent, des choses qui juste nous affectent. Et je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais on vit une période où on est un peu affecté tous les jours de voir ce qui se passe autour de nous. Mais le Dieu de victoire habite en nous. Il est en nous, il est avec nous, il marche avec nous. Les Israélites firent ce qui déplaît à l'Éternel, et l'Éternel les livra entre les mains de Madian pendant 7 ans. Est-ce qu'aujourd'hui, on arrive à reconnaître ce qui se passe? C'est des paroles dures pour commencer un message. J'aimerais bien vous lancer des petites fleurs. On va les lancer après, on va voir ce que Dieu fait avec nous. Mais pour débuter ce texte, on réalise que le mal se répand. Et Dieu a dû parfois livrer son peuple aux mains des Madianites, pendant 7 ans. La domination des Madianites fut puissante contre Israël. Pour leur échapper, les Israélites se retiraient dans les ravins des montagnes, dans les grottes et sur les rochers fortifiés. Et je ne vais pas lire tous les détails, mais on voit que chaque fois qu'Israël avait semé un champ, et qu'ils arrivaient aux récoltes. C'est moi qui ai touché. Un, deux, c'est bon. C'est touché avec mon pouce. Et chaque fois que, enfin, la récolte arrivait, les Madianites arrivaient et ils rasaient tout. Ils leur volaient tout. Et si vous lisez ce chapitre 6 des Juges, vous allez voir l'oppression comme elle était grande et puissante. Et pourtant, Dieu a des plans extraordinaires. Lorsque les Israélites crièrent à l'Éternel au sujet de Madian, l'Éternel leur renvoya un prophète. Et ce prophète leur dit, il leur rappelle le passé, il leur rappelle les promesses et aussi les conditions à la réussite. Et tout ça, vous le trouvez dans le chapitre 6. Voici ce que dit l'Éternel, le Dieu d'Israël. Je vous ai fait sortir d'Égypte et quitter la maison de l'esclavage. Je vous ai délivré de la domination des Égyptiens et de tous ceux qui vous opprimaient. Je les chassais devant vous et je vous ai donné leur pays. Je vous ai dit, je suis l'Éternel, votre Dieu. Vous ne craindrez pas les dieux des Amoréens, même si vous habitez dans leur pays. Est-ce que vous avez l'impression d'habiter dans des lieux où autour de nous l'ennemi est là? Oui, on le voit autour de nous, mais nous avons un Dieu puissant. Mais ce prophète leur dit, « Mais vous ne m'avez pas écouté. » Et on veut être à garder des cœurs sensibles à ce que Dieu a à nous dire aujourd'hui, pour que nos oreilles soient ouvertes, pour qu'on puisse entendre. Aujourd'hui encore, pour chacun de nous, si nous voulons entrer dans les miracles de Dieu, il y a des conditions, on va les voir plus loin. Il y a des conditions pour rentrer dans ce miracle de Dieu. Dieu n'a pas changé et Dieu ne changera pas. Dieu a étendu sa main, Dieu a fait des promesses,
Mais on ne vit pas que sur les promesses, il a donné des exigences. Et on va les voir ensemble aussi après. Et c'est ce qui permet à sa main d'agir. Et dans tout ce tumulte, il y a un homme qui est là, et c'est Gédéon. Et Dieu vient, l'ange vient appeler Gédéon. Moi, j'aime beaucoup la façon dont l'ange utilise pour parler à Gédéon. L'Éternel est avec toi, vaillant héros. Dieu vous voit avec tout le potentiel qu'il a mis en vous. Gédéon ne se voyait pas du tout comme un vaillant héros. Pas du tout. Gédéon, lui, il était caché pour sauver sa récolte. Mais vous savez quoi? Il était en action. Il était en train d'œuvrer pour sauver la récolte. Il était en train de travailler pour enlever à l'ennemi ce que l'ennemi venait voler. Alors, il s'agissait de leur nourriture, mais c'est plus que ça. Gédéon était caché, il avait dû se cacher pour sauver la récolte que Dieu leur avait donnée. Et Gédéon était à l'œuvre. Et vous savez, mes amis, si Dieu choisit des personnes, on entend souvent des gens, oui, mais la grâce de Dieu est toujours sur eux, c'est toujours les mêmes qui sont appelés. Gédéon, on va le voir après, il était plein de petitesse, il se plaignait, il pleurait sur les miracles du passé. Où est l'Éternel? Où sont les choses que l'Éternel nous a données? Mais c'était un homme caché qui était debout. Debout dans son pressoir et il mettait de côté du grain. Il mettait de la récolte de côté. Et mes amis, si aujourd'hui tu n'as pas l'impression d'être visible, tu fais ce que Dieu veut où tu es caché. Tu restes debout. Tu peux le faire dans la prière. Tu peux le faire dans d'autres actions. L'Éternel regarde les cœurs et il voit ceux qui sont en action pour eux. Même si on n'est pas encore dans un temps où tout le monde a l'occasion d'être vu, si tu marches avec Dieu et tu fais ce qu'il te demande, Dieu le voit. Et Gédéon était au travail pour Dieu, pour sauver ce qui devait être sauvé pour leur pays. Et ça, je trouve que c'est tellement puissant. Dieu voit ce qu'il a placé en vous. Alors, bien sûr qu'il faisait tout ça, mais il se lamentait sur tous les malheurs qui arrivaient. L'Éternel nous abandonne. Où sont ses actes merveilleux? Dieu, notre Père, garde sur nous un regard favorable et l'ange ne lui répond pas. Vous avez vu ça? L'ange ne lui fait aucun reproche. Il lui dit juste, va avec la force que tu as. N'est-ce pas moi qui t'envoie? Alors Gédéon, il continue. Dieu lui promet, lui donne des promesses, comme il le fait avec nous. On chante ses promesses, on saisit ses promesses. Le Dieu de victoire est avec nous. Et puis, qu'est-ce qu'il fait, Gédéon? Il rappelle de nouveau son statut familial. Je suis le plus petit. Je suis le plus bas, la famille la plus pauvre. Comment tu veux m'utiliser? Je n'ai pas d'influence. Est-ce qu'il y en a qui se reconnaissent? Je suis le plus pauvre. Je ne suis pas équipé. On est tous comme ça. On est tous, quand Dieu nous dit « fais ceci, fais cela », et moi la première. Vous savez, quand on prépare ces cultes, ces messages, ça a l'air facile une fois qu'on est là. Hein? Mais je peux vous dire que, en général, la semaine avant les messages, il y a des combats. La semaine passée, j'ai shooté un scooter. Bon, il n'a pas giclé loin. Heureusement, il est resté debout. Mais je l'ai tapé quand même parce que c'est moi qui lui ai coupé la route. Le lendemain, mon mari a sauté dans une voiture avec un gros tracteur. Il est presque monté sur la voiture. On a des combats. Et puis, rester en paix et rester à l'œuvre pour ce que Dieu veut. Tous. Et Dieu lui répond, « Mais je serai avec toi et tu battras les Madianites comme s'il s'agissait d'un seul homme. » La Bible plus loin nous dit que c'était des multitudes et de multitudes. Et Dieu lui donne un regard de foi. Et on a besoin aujourd'hui, tous mes amis, d'avoir un regard de foi. La multitude est désemparée. Les gens autour de nous, et ça va aller en s'agrandissant. Parce que les sécurités sur lesquelles on s'est posé, tous nous aussi, les chrétiens, on s'est posé sur des sécurités qui sont en train d'être ébranlées profondément. On avait averti qu'on serait un pays de liberté
Et pour ne pas être comme on fait en France, je ne sais pas s'il y en a qui nous écoutent, ce n'est pas important, pour être radical, alors on est radical à moitié. Vous avez vu comment on fait en Suisse? Et on en arrive à un stade où on va commencer à donner 50 francs à quelqu'un qui dénonce et qui encourage l'autre à se faire vacciner. Je ne sais pas si vous imaginez, donc on se dit, mais... Et la même chose avec les masques et le passeport COVID et tout ça. Et nos jeunes, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais il y a une sacrée pression sur eux, tout le monde, hein, ceux qui n'ont pas envie. Et jusqu'à présent, on nous a dit qu'on serait libres. Elle est où, cette liberté, aujourd'hui? Tu ne rentres plus dans un restaurant? Alors vous me direz, mais ce n'est pas le restaurant l'essentiel, ce n'est pas ça. C'est l'état d'esprit qui est derrière. Et aujourd'hui, on a besoin comme jamais. On a besoin de marcher et de voir de nouveau ce Dieu de miracles. Et Gédéon vivait une situation avec les Madianites qui ressemble un petit peu. Je ne la compare pas tout à fait aux mêmes circonstances, mais on est dans des circonstances comme ça, où on a besoin de se lever et d'être, de faire la différence. Alors Dieu, il voit le potentiel qu'il a mis en toi, malgré tout ce que le diable aurait pu te voler. Dieu, il voit le potentiel qu'il a mis en toi. Et il a vu le potentiel qu'il avait mis en Gédéon. Personne ne croyait en lui, il était caché. Il ne se voyait pas, mais Dieu, lui, il voit. Parce que dans chacune de vos vies, il a placé de l'or. Il ne se repent pas de son appel. Même si jusqu'à aujourd'hui, tu n'as encore pas vu beaucoup de fruits de l'appel. Mais Dieu a placé en toi du potentiel et il le chérit. Parce que c'est ce que lui a mis en toi. Mais il y a un problème. Dans toute la situation à Gédéon, il y a un problème majeur qui est là aussi aujourd'hui. Il y a un interdit. Le texte nous dit que l'ange lui a dit « Tu vas prendre deux bœufs à ton père, ce n'était même pas les siens, je ne sais pas si vous imaginez. Tu vas monter sur la montagne et tu vas abattre le pieu sacré et l'autel de Baal. » Gédéon n'avait aucune capacité d'agir, quoi que ce soit, pour sauver le pays s'il n'obéissait pas à cela. Et encore là, vous savez, Gédéon, il n'a pas été courageux. Dieu lui a dit exactement ce qu'il devait faire. Il a pris 10 hommes, 2 bœufs. Il fallait que l'autel de Baal soit arraché, que le pieu sacré soit enlevé et brûlé. Il fallait qu'il offre un sacrifice. Et il l'a fait, il l'a obéi, mais il a obéi la nuit, parce que la Bible dit qu'il avait peur. Dieu ne lui a fait aucun reproche. Dieu ne lui a pas fait de reproche. Le matin, c'est les gens qui sont venus qui ont dit « Qui a détruit ça ?» Donc, en plus de ça, il a fait un sacrifice. Et encore aujourd'hui, si nous avons des pieux à enlever, des choses qui sont sacrées en nous, le sang de Jésus a besoin de couler. Jésus a donné son sang depuis la Nouvelle Alliance. On n'a plus besoin d'aller sacrifier des taureaux, heureusement. Ce n'est plus ça aujourd'hui. Jésus l'a fait pour une fois. Il a payé le prix pour nous. Il a payé ce prix-là, mais son sang a besoin d'être versé sur les erreurs, sur les fautes. C'était quoi cet interdit? On peut regarder ensemble quelques pieux sacrés. C'est tellement important. C'est là où le peuple fit ce qui déplaît à l'Éternel. C'est là la conséquence du mal qui est venu sur eux. Dieu leur avait dit « Tu n'adoreras pas les dieux de ces pays ». Et on voit tout de suite, une fois que certains hommes clés sont morts, le peuple d'Israël se détourne à nouveau et ils vont reconstruire des autels à Baal et ils vont offrir ces sacrifices. Et aujourd'hui, on a besoin de veiller à cela. Et je crois que ce soir, ensemble, on va détruire quelques autels et brûler des pieux sacrés. J'ai réfléchi, qu'est-ce que c'est un pieu sacré? Qu'est-ce que c'est cet autel? Mais ça peut être tellement, tellement de choses différentes. C'était le lieu où le peuple a désobéi et qui a attiré la malédiction sur tout le pays. Ça a attiré la malédiction et c'est pour cela que Dieu dit qu'il a livré ce peuple aux mains des Madianites. Et mes amis, aujourd'hui, notre pays est en train de se mettre sous des lieux, sous des pieux sacrés et des autels de Baal.
Et on a besoin d'être un peuple qui ne plie pas le genou devant Baal. On doit faire la différence. C'est tellement important. On va regarder ensemble quelques pieux sacrés. Si vous ne savez pas tout à fait ce que ça veut dire, je vais partager avec vous ce que ça veut dire. L'occultisme, tout ce qui va avec. Dieu a en horreur ces pratiques-là. Astrologie, voyance, consulter les morts, les guérisseurs, les faux dieux, toutes les religions qui ne reconnaissent pas Jésus-Christ comme le Fils de Dieu. Est-ce que vous en voyez aujourd'hui? Ça a l'air tout bête, hein? Moi, je suis un peu allergique quand je vais dans les grands centres, Schilliger et tout ça. Vous voyez ces gros bonhommes avec le ventre qui s'avance comme ça, en pierre. Mais c'est dégueu. Je ne comprends pas qu'on puisse mettre ça dans les maisons partout. Il y en a partout. Ça a l'air inoffensif. C'est une jolie décoration. C'est même pas beau, en plus. Moi, je n'en voudrais pas, en tout cas. Mais on prend ces choses-là par la douceur, on les achète, on les plante dans nos jardins. Alors, je ne dis pas que les gens vont s'agenouiller devant, mais ça prend la place de Dieu. Et aujourd'hui, comme jamais, on doit faire attention à ça. Aujourd'hui, on soumet la terre qu'on cultive à toutes sortes de philosophies. Est-ce que vous savez ça? Biodynamie. J'aimerais vous parler deux mois de cela. Le Gospel Farm, si vous avez l'occasion, ils ont envoyé une vidéo qui a été faite par trois femmes qui ont étudié tout ce qui se fait au niveau de la biodynamie. Pour même le bio, hein, tout ce qui est bio, et les initiateurs de ces choses-là. Et ces femmes ont développé cela profondément, vraiment avec sagesse. Mais quand vous voyez les racines de ces choses-là, j'aimerais dire que la biodynamie est à la terre ce que l'homéopathie est au corps. Et aujourd'hui, avec ces pratiques, je ne sais pas si vous réalisez qu'il y a des gens qui enterrent une corne avec de la beuse de vache au bout d'un champ ou d'une vigne, et c'est censé bénir tout le terrain. Et on soumet notre terre à des pratiques occultes et à la malédiction. Et on marche là-dedans sans y voir clair. Et il y a tellement de pratiques dans la médecine aussi, où juste parce que c'est à la mode ou parce que c'est mieux que la science, où vous pouvez mettre ce que vous voulez, ça m'est égal, on se soumet à des choses et la malédiction vient sur nous. Veillons, veillons, veillons à cela. C'est tellement important. Et notre pays est rempli de choses comme cela. Et on ne doit pas être surpris si on voit la malédiction venir sur notre pays. Mais on est un peuple qui peut délivrer notre pays de la malédiction. On continue, ce n'est pas terrible, hein? L'avortement peut être un pieu sacré. L'avortement amène des conséquences sur les familles. Et tant que ce n'est pas mis à la lumière, en général, ça peut être des secrets de famille, vous savez que quand il y a eu cela dans des familles, même les enfants qui n'ont jamais appris cela sentent qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Quand il y a des secrets de famille, les enfants sentent cela, même si on les tait, parce qu'un secret, c'est un secret. Et ça peut être des pieux sacrés. L'alcoolisme. Excusez-moi. L'alcoolisme, en général, est accompagné avec la colère. Je connais un petit bout, j'ai passé par des choses comme ça dans ma famille, et je peux vous assurer que ça peut être des pieux sacrés. Je suis pleine de compassion pour les gens qui ont des dépendances. Nous étions une famille où il y a... 1, 2, non, c'est bon, pardon. Et nous avons vécu des choses comme ça, et je peux vous assurer que c'est des choses qui amènent de la malédiction. Tellement d'hommes et de femmes aussi s'excusent d'avoir un caractère colérique. Juste s'excusent. Ah, mais je suis comme ça. On ne peut pas changer. Oui, on peut changer. Oui, on peut briser cela. Parce que vous savez que dans la colère, on détruit avec la bouche des choses à vie. Et aujourd'hui, ici, je sais qu'il y a des personnes qui ont été détruites par la langue de leurs parents ou d'un prof ou quoi que ce soit, et qui ont été ralentis toute leur vie dans les promesses que Dieu avait pour eux à cause
de paroles de malédiction. Et la colère amène la malédiction. L'alcoolisme amène des malédictions. Et Dieu peut te sortir de ça. Je sais le prix à payer, c'est terrible. Je sais, parce que ce qui s'attache à notre chair, c'est terrible. Mais tu peux sortir de ces choses-là. Tu peux abattre ce pieu sacré et défaire cet autel qui est dressé dans ta vie. L'argent peut être un esclavage terrible. Aussi dans les familles, les héritages. Combien de familles ont été détruites à cause des héritages? Et pendant des générations, on ne se parle plus. Alors qu'une famille, c'est une bénédiction extraordinaire. Et ça, c'est des choses qu'on doit briser dans nos vies. Gédéon, il a obéi. Et c'est extraordinaire. Il n'a pas été hyper courageux. Moi, je ne suis pas une personne hyper courageuse pour suivre quoi. Mais il a fait ce que Dieu lui a dit. Il l'a fait de nuit parce qu'il craignait le peuple. Il n'avait peut-être pas sur le moment le courage de se montrer à tout le monde, mais il a obéi. Et le point que j'aimerais souligner, c'était 1 Samuel 15, 22 à 23. Je vais vous le partager. C'est quand le roi Saül a désobéi. Samuel dit, « L'Éternel trouve-t-il autant de plaisir dans les holocaustes et les sacrifices que dans l'obéissance ?» Samuel avait pris le butin qui était voué par interdit. Son cœur était tordu. Il avait fait ce que Dieu lui avait dit, mais à sa façon. Il s'était dit, « Oh, ben ça, c'est une bonne idée. » Puis pour se justifier, il a dit, « On va faire un sacrifice à l'Éternel avec ça. » L'Éternel trouve-t-il autant de plaisir dans les holocaustes et les sacrifices que de l'obéissance à sa voix? Non. L'obéissance vaut mieux que les sacrifices et l'écoute attentive vaut mieux que la graisse des béliers. Oui, la révolte est aussi coupable que la divination. La résistance au Seigneur est aussi fautive que le recours aux théraphimes. Puisque tu as rejeté les paroles de l'Éternel, il te rejette lui aussi comme roi. Quelles conséquences! Il n'a pas obéi exactement à ce que l'Éternel lui avait dit. Alors qu'on voit dans le cœur de Gédéon, il a fait tout ce que Dieu lui a montré. Au risque de sa vie, le lendemain matin, les gens du village sont arrivés, ils ont dit « Qui c'est qui a détruit l'autel ?»« A ramené Loulou pour qu'on puisse le tuer. » Et là, c'est le père même de Gédéon qui est venu plaider et qui a dit « Qui c'est qui a besoin de parler pour Baal, si Baal est Dieu, qu'il se défende lui-même. » Tellement important. Ensuite, dans cet appel, on voit que Gédéon a été rempli de l'Esprit. Gédéon fut revêtu de l'Esprit de l'Éternel. Pardon. Et il sonna de la trompette et toute la famille d'Ébiézer fut convoquée pour marcher à sa suite. Il fut rempli de la puissance du Saint-Esprit. Et je crois qu'aujourd'hui, mes amis, on ne va pas pouvoir marcher sans cette condition-là. Dieu veut déverser gratuitement son Esprit sur nous. Dieu veut nous donner abondamment. On peut le chercher, on peut le trouver, mais sans la puissance de l'Esprit, on ne va pas tenir. L'Esprit de Dieu est fidèle, il sera là, il va nous secourir, mais il faut qu'il soit pleinement en nous. Et on a besoin aujourd'hui, comme jamais, du baptême de l'Esprit. Et Gédéon n'aurait pas pu aller faire ce qu'il a fait dans le peuple, dans les Madianites, s'il n'avait pas été rempli de l'Esprit. Dieu l'a rempli de son Esprit et Gédéon a commencé à se manifester. Il a sonné de la trompette pour rassembler le peuple, pour cette victoire qu'il devait mener. C'est tellement important d'être attentif à cela aujourd'hui, partout où vous êtes. Sans la puissance de Dieu et son discernement, on va se faire avoir. On ne peut pas, sans le Saint-Esprit. Et ce soir, on va prendre aussi un moment pour que le Saint-Esprit puisse nous renouveler chacun. On a besoin de lui tous les jours, chaque jour, pour marcher dans cette victoire. Un point que j'aimerais partager aussi, quelque chose qui est très étonnant, ce que Dieu a fait avec Gédéon.
Quand le peuple a été convoqué, des milliers d'hommes, 22 000 hommes se sont levés. Et puis Dieu a dit, non, ça ne va pas se faire comme ça. Et puis on peut se dire, mais Dieu, tu as quand même des drôles de idées. C'était, les Madianites étaient une multitude qui recouvrait tout le pays et qui venait comme des sauterelles pour ravager le peuple. Et quand 22 000 hommes se lèvent, Dieu dit non. Non. On ne va pas faire ça comme ça. Et pourquoi il dit ça? Le peuple que tu as avec toi est trop nombreux pour que je livre les Madianites entre ses mains. Il pourrait en tirer gloire à mes dépens et dire, c'est ma main qui m'a délivré. Dieu ne partage pas sa gloire avec n'importe qui. Et vous savez, quand Dieu nous appelle à faire quelque chose, on se sent souvent faible. Moi, j'aime pas ça. Moi, souvent, je dis, Seigneur, j'aimerais être comme elle. Seigneur, j'aimerais avoir les mêmes talents. J'aimerais pouvoir donner les choses comme elle le fait à cette façon-là. J'aimerais avoir cette force. On aimerait tous et on compare. Et Dieu dit non. Il y a une faiblesse qui va rester. Moïse avait de la peine à parler. Il était embarrassé. Gédéon était complexé. C'était le plus petit, le plus pauvre. Et combien de fois on dit, mais Seigneur, si tu m'en donnais plus pour faire ce que je dois faire avec toi. Et ce soir encore, Dieu te dit, va avec la force que tu as. Il n'attend pas de nous qu'on soit des héros avant de nous envoyer. Et nous, on aimerait tellement que les situations soient planifiées, qu'on soit sûr d'être bien en route. Vous savez, pendant qu'on marche, les transformations arrivent. Je l'ai vu dans ma vie maintes et maintes fois. Pendant qu'on avance avec Dieu, les transformations arrivent. Et Dieu nous conduit, il est fidèle. Et il a fait ça avec Gédéon. La façon dont il l'a conduit, c'est quelque chose d'extraordinaire. Dieu voit l'or qu'il a mis dans ta vie. Et malgré ce que tu es aujourd'hui, Dieu a envie de t'utiliser comme tu es. Alors c'est sûr que plusieurs d'entre vous, vous vous dites, oui, mais moi, je n'ai pas l'appel de Gédéon, moi non plus. On n'a pas l'appel d'aller détruire une armée entière. Vous savez, Gédéon, il avait un appel puissant et il a demandé encore des 3 ans à Dieu. Après tout cela, après être rempli de l'Esprit, Dieu lui a accordé cela. Dieu n'a pas été fâché parce qu'il lui a demandé des 3 ans. L'œuvre que Dieu lui demandait était puissante. Elle était grande et il avait besoin d'être rassuré. Et puis ensuite, la nuit, Dieu lui a donné encore un rêve. Il lui a dit, descends au camp, va écouter ce qui s'y passe. Il est descendu de nuit dans le camp des Madianites, qui était innombrable. Et là, il y a un homme qui était en train de parler de ce qu'il avait rêvé. Et ensuite, après tout ça, Dieu lui dit maintenant, vas-y. Vas-y. Va avec la force que tu as. Et notre Dieu, il est le même aujourd'hui. Il veut nous équiper, il veut nous donner ce dont on a besoin chacun. Ta tâche, ce n'est pas celle de Samson. Dieu t'en a donné une autre. Et pour ce à quoi il t'a appelé, je sais que beaucoup de chrétiens disent, mais moi, je ne sais pas à quoi je suis appelé. Tu vas commencer à voir à quoi tu es appelé, autour de toi. Et n'attends pas de recevoir 10 talents ou 10 choses différentes avant de mettre en pratique ce que tu as reçu. Gédéon, il a commencé en protégeant la récolte. Tu peux protéger la récolte aujourd'hui. Tu peux t'activer dans l'Église. Protéger la récolte, c'est honorer ce que Dieu met ici. Et quand tu es fidèle dans ces choses-là, Dieu va t'utiliser pour d'autres. Et on rentre dans un temps, mes amis, où Dieu va nous envoyer. Je le crois, je le crois. Libérer les captifs. Libérer le peuple des Madianites. Libérer les gens de l'oppression. L'oppression devient grande. Et Dieu va utiliser son peuple. À nouveau, on verra la différence. Chacun de vous, où vous êtes, dans vos maisons, dans votre quartier, au travail, Dieu peut vous confier une mission. Et si aujourd'hui, tu te dis, mais moi, je n'en ai encore pas, je ne vois pas ce que Dieu va faire, prie. Prie, occupe-toi de la récolte. Et Dieu va t'utiliser. Vous savez, j'aime beaucoup l'histoire de cet homme qui a gardé pendant la guerre, je n'ai pas recherché où c'était, mais qui s'est placé au milieu d'un champ de lentilles. Je ne sais pas si vous imaginez ce que c'est un champ de lentilles. Et il a dit, je garderai ce champ de lentilles jusqu'au bout.
Il s'est placé au milieu alors que toute l'armée était en guerre. Et il n'a permis à personne de venir voler ce champ de lentilles. Est-ce qu'on veut être ces héros qui gardons les champs de lentilles que Dieu a donnés à l'Église? Et pour ça, il faut être là. Il faut être présent. Et vous êtes présent. Vous êtes présent. Et Dieu aime cela. Et Dieu va vous confier des tâches encore plus grandes. Ce soir, j'aimerais vous encourager. Vous stimuler à aller de l'avant. Mais si dans ta vie, tu sais qu'il y a des obstacles, les jeunes aussi, si vous savez qu'il y a des choses qu'il faut régler. Vous savez, les jeunes, vous avez des grandes choses devant vous. Vous n'avez pas besoin de craindre. Il y a des choses extraordinaires qui viennent pour vous dans le travail. Nous, on sera derrière pour prier pour vous. Parce qu'on vous aime et on sait ce que Dieu a mis comme appel sur vous. Mais ne vous laissez pas voler votre vie avec des pieux sacrés. Faites attention à la façon dont vous marchez aujourd'hui. Tellement important. Ce n'est pas juste à la légère. Oh, moi, je me mets avec ma copine, je fais comme je veux. Vous donnez des droits à l'ennemi. Et si vous voulez avoir des vies qui sont consacrées, et je parle aussi à ceux qui nous écoutent sur le net, si vous voulez avoir des vies qui sont consacrées à l'Éternel, ne donnez pas des places à l'ennemi qu'il ne mérite pas. Parce que l'ennemi, qu'est-ce qu'il fait? Il met le pied dans la porte, puis après, il rigole. Il rit. Puis nous, on aimerait avoir de la puissance. Et puis, on aimerait faire ce que Dieu nous dit de faire, mais on n'a pas enlevé les pieux sacrés. Et ce soir, je vous encourage. Même s'il faut revenir en arrière, soyez droits et faites attention à vos vies. Elles sont précieuses pour Dieu et pour l'œuvre qu'il a pour vous. Tellement précieuses. Et je crois qu'on va rentrer dans des temps où on verra la différence. On reverra la différence. On la voit déjà aujourd'hui. On voit tellement de choses qui sont difficiles autour de nous. Mais on veut garder ce champ de lentilles. Et garder ce champ de lentilles, c'est obéir à la voix de l'Éternel. Je me le dis à moi-même, vous savez. On a des coups des fois qui sont raides. On est dur. Moi aussi. Et quand Dieu me dit une chose, combien de fois le combat, on aimerait abandonner le combat. Quand je prépare les messages, je dis, mais Seigneur, mais pourquoi moi? Pourquoi je dois lutter comme ça, me préparer, faire des choses pour toi? On aimerait mieux laisser des fois. Et Dieu dit, va avec la force que tu as. Et à chacun de nous ce soir, il nous dit, vaillant héros, vaillante héroïne, tu peux le faire. Parce que Dieu a un regard favorable. Je peux demander juste à la... Si tu veux venir nous amener un petit peu de un fond musical. Christophe, tu veux monter? Et Gisèle aussi, si tu reçois quelque chose, une pensée, tu puisses aussi venir. Je te donnerai le micro s'il faut. J'aimerais prier ce soir pour les gens qui ont besoin d'un renouvellement de l'esprit. Ceux qui se disent, mais j'ai le sentiment... Oui, il y a peut-être beaucoup de gens qui sont usés, fatigués. Dieu veut déverser à nouveau cette onction de force et de joie pour que tu puisses continuer la marche. Dieu connaît nos situations et Dieu aimerait vraiment te toucher ce soir. Je vais laisser Christophe prier pour une effusion de l'esprit tout à nouvelle, mais je vais vous demander ceux qui ont besoin ce soir. On n'est pas là pour contrôler, calculer qui veut pas. On est là pour être devant Dieu et recevoir ce que Dieu veut déverser. Dieu veut déverser à nouveau son onction et sa force dans la situation dans laquelle tu es aujourd'hui. Si tu es confronté à ton mariage qui ne va pas, alors reçois à nouveau la puissance de l'Esprit pour corriger les choses, pour abattre peut-être les choses que tu as laissées venir, pour te détourner là où l'ennemi a pu mettre le pied dans la porte. Et puis qui aujourd'hui rit au nez. Oh, ça n'a pas l'air si grave que ça. Mais tu as perdu ta puissance. Tu es dans la culpabilité. Et vous savez, ces choses-là, la condamnation, la culpabilité, sont des choses qui nous enlèvent toute la force. Et ce soir, on aimerait prier pour vous. Je vous invite à vous lever. Ceux qui avaient besoin d'un renouveau, de force, de courage pour affronter la vie aujourd'hui. Je te laisse prier, Christophe.
Oh, Namasan. Je crois que le Seigneur veut aussi appeler particulièrement des hommes ce soir. Et vous sentez qu'il y a un feu qui brûle en vous. Il y a des hommes qui sont là. Je ne sais pas s'il y a, si les hommes qui sentent, il y a des hommes qui sentent que ça brûle en eux. Des hommes qui disent, mais je sens qu'il y a quelque chose qui est en train de se manifester. Et en même temps, il y a eu comme véritablement quelque chose qui a été volé. Ouais. C'est comme si à quelque part t'avais refusé, il y a un moment où t'as refusé d'aller détruire ces pieux sacrés qui étaient sur ta maison, sur ta vie. Parce que il y a eu plein de choses, plein de raisons. Et une fois de plus, là, le Seigneur n'est pas en train de te condamner, mais il dit, mais ce soir, il faut les briser maintenant. Il faut les brûler maintenant. Parce que tu n'iras pas plus loin. Tu n'iras pas plus loin que les attentes de ton Père si ces attentes-là restent en autorité sur ta vie. Jésus, à 12 ans, il a compris une chose que des hommes doivent comprendre ce soir. C'est qu'il a dit à un moment, je m'occupe des affaires de mon Père céleste. Et il y a comme des héritages sur certains hommes, et c'est pour ça que j'insiste, parce que je crois qu'il y a encore des hommes qui n'ont pas levé la main, mais qui savent qu'aujourd'hui ils sont limités à cause de cela. Et j'aimerais vous encourager, vous n'avez pas besoin de lever la main, c'est devant Dieu que ça se passe, mais à prendre cette décision ce soir. Je me sépare de ces héritages, des héritages de mon Père. Saint-Esprit, moi je te prie de pouvoir d'avoir déversé un feu qui vient de toi, Seigneur. Un feu qui vient de toi sur chacune des vies. Seigneur, tu refuses qu'on apporte un feu étranger sur l'autel. Et on veut refuser nous aussi d'apporter un feu étranger sur l'autel. Mais on veut te demander, Père, de pouvoir venir, d'ouvrir le ciel, de pouvoir consommer ce qui dans nos vies n'est pas ta gloire ce soir dans le nom de Jésus. On veut te demander de sanctifier nos vies. On veut te demander de les rendre purs, Seigneur, semblables à ce que toi tu désires, Père. Merci parce que ce soir tu brises toute accusation, tout mensonge de l'ennemi, toute culpabilité. On veut dénoncer ce que l'ennemi fait et proclamer que nous avons un avocat auprès du Père qui est là et qui agit en notre faveur ce soir. Saint-Esprit, fait une œuvre nouvelle dans nos vies, dans cette église, dans ton peuple et dans cette région. Seigneur, on te prie véritablement que les choses soient alignées à ta volonté et à ton cœur, pour qu'elles ressemblent, Seigneur, à ce que toi tu as inscrit dans ton livre pour nos vies. Seigneur, on ne veut pas regarder à l'armée de Madianite, à l'armée de l'ennemi, aux choses qui sont là pour nous arrêter. Seigneur, on veut croire que tu nous appelles. Et parce que tu nous appelles, tu nous équipes. Et parce que tu nous équipes, ton œuvre va être glorieuse. C'est vrai, Seigneur, autant Mado, autant moi, autant que beaucoup ici, on ne se sent pas à la hauteur. Mais on sait qu'on peut avancer avec la force que tu nous donnes. Et moi, je te prie, Seigneur, que ce soir, si des gens... J'avais vraiment cette pensée, je crois que ça vient de l'Esprit. J'aimerais vous encourager, ceux qui le désirent, ceux qui le peuvent en tout cas, c'est à pouvoir vous agenouiller devant Dieu. Peut-être tu as mal au genou, puis tu ne peux pas le faire, mais prosterne ton cœur. Véritablement à pouvoir dire, mais on rigole pas. On est dans une réalité où on ne rigole pas. Et Saint-Esprit, on veut s'offrir à toi, on veut offrir nos vies sur l'autel pour qu'elles te glorifient. On croit, Père, que tu as des bonnes choses. On croit, Père, que tu as des projets. On croit que tu nous as donné un potentiel. Mais on sait que si nos cœurs ne sont pas alignés à ton cœur, alors le potentiel ne servira à rien. Sanctifie-nous, Saint-Esprit. Brûle en nous, Saint-Esprit. Brûle au travers de nous, Saint-Esprit. Brûle, brûle, révèle, Père. Afin que le royaume soit libéré comme toi tu le désires au travers de nos vies. Seigneur, on ne veut pas que notre église ressemble à un pays attaqué et envahi par les Madianites. On veut être une église qui entre dans ce que tu as prévu. Seigneur, on te prie que le miraculeux puisse être libéré au travers de nos mains. On te prie pour que des vies puissent être transformées pour ta gloire. Alors agis maintenant. Agis par ton esprit. Agis par ton esprit. Oh, tu révèles ce soir. Ce soir, on a dit que des chaînes tombaient. Oui. Et on veut briser les chaînes de l'héritage, les chaînes de la malédiction, les chaînes de la méchanceté. Ce soir, je prends autorité contre ces liens, Seigneur, qui tiennent le peuple de Dieu et qui les empêchent d'avancer.
Et Seigneur, s'il y a besoin d'une révélation pour plusieurs personnes, viens leur ouvrir les yeux, viens nous ouvrir les yeux, Seigneur, afin que les obstacles soient enlevés. Seigneur, tu as dit détache les liens de la servitude. Et ce soir, Seigneur, on veut détacher les liens de la servitude. On ne veut pas rester un peuple avec des mauvaises habitudes, avec des choses qui nous pénalisent et qui pénalisent toute la famille, Seigneur. On veut être la génération qui brise des malédictions. Et on veut briser, Seigneur, la malédiction sur nos enfants, sur nos héritages, sur tout ce que nous avons en toi, Seigneur. On brise cela dans le nom de Jésus. Je prends autorité contre tout esprit méchant qui a mis les pieds dans la porte à cause d'une situation. Et je dis à l'ennemi, tu retires ton pied. Parce que quand ton sang, Seigneur, coule, nous sommes libérés. Tu es mort sur la croix afin que nous soyons libres. Libres, Seigneur, des chaînes. Et tu es venu briser des chaînes ce soir sur le peuple de Dieu, je le crois, Père. Merci, Seigneur. Tu libères ton peuple pour aller de l'avant. Pour aller de l'avant, pour ce à quoi tu l'as appelé, Seigneur. Amen. Amen. Merci, Père. Je crois que le Seigneur s'adresse à certains et leur dire, mais il y a un temps où il faut quitter l'Égypte. C'est comme s'il y a, vous saviez, c'est comme s'il y avait des choses que vous gardiez comme comme un album photo, un album souvenir. Avec, oh là j'ai eu une blessure ici, là j'ai eu ceci là, oh j'ai eu ceci là, et puis à quelque part. C'est comme si cette présence de l'Égypte était trop présente pour vos vies. Ce qui fait qu'aujourd'hui, c'est ce qui vous limite. Mais le Seigneur te dit, la terre promise est devant et l'Égypte est derrière. Et je sais que ce soir, ça correspond presque à passer au travers de la mer Rouge, c'est vrai. Mais il y a un choix à faire. Un choix de dire, je laisse l'Égypte derrière et j'entre dans le temps de ce que Dieu veut. C'est vrai qu'avant la terre promise, il y a un temps qui est tellement précieux, mais c'est le temps de l'alliance. Et le Seigneur aimerait faire alliance avec vous ce soir. J'aimerais véritablement vous encourager avec cela. J'aimerais insister aussi sur le fait des héritages, parce que je crois que particulièrement quelqu'un ici parmi nous ce soir est véritablement comme bloqué à cause des attentes que son père a eues. Et ça s'adresse particulièrement à un homme. Et votre père était très exigeant. Il était en même temps un père exceptionnel parce qu'il était un modèle de. C'est un gars qui réussissait, qui était intellectuellement brillant, quelqu'un de fort, en tout cas, à vos yeux. Mais c'est comme si, à quelque part, vous étiez toujours sous ce regard de votre père. Et le Seigneur vous dit : mais j'aimerais te pouvoir te donner mon regard. Parce que mon regard va pouvoir permettre que tu te développes, va pouvoir permettre que tu t'épanouisses, que tu te libères de tout ça. Oui. Mais le Seigneur, il a un projet qui est pour vous, qui n'est pas celui de votre Père. Oui. Et même le projet de votre Père céleste n'est pas celui de votre Père terrestre. Mais le projet de votre Père céleste est tellement meilleur et il va vous rassurer. Et vraiment, je ne méprise pas qui était votre Père terrestre parce que c'était un homme vraiment, voilà, qui honorait Dieu dans sa vie. Mais vous, ça vous empêche d'aller dans ce qu'il a pour vous. Donc j'insiste véritablement, si c'est votre cas ce soir, j'aimerais vous dire, mais choisissez. Et puis je pense qu'il y a des combats comme ça, hein, parce que des fois on fait des choix un coup, mais le lendemain ça revient, hein, parce qu'on a des fonctionnements qui peuvent être depuis des années et des années. Et il y a véritablement quelque chose, il va falloir vous positionner, mais le Seigneur guérit, touche au fur et à mesure. Recevez cela.